Et c'est parti, en route pour Cannes. Cannes, nous voilà. Alors, sur une échelle de 1 à 10, mon excitation, je pense, est à 12. Allez, c'est parti pour 347 km. Toujours sur la route et je sais pas, où est-ce qu'on est, Willow? Je crois qu'on est direction planète Marseille. Alors, on s'est arrêté sur une super aire d'autoroute dans le Var. Je ne sais pas exactement où nous sommes, mais un truc de malade. J'ai jamais vu ça sur une aire d'autoroute. Il y a un Buffalo Grill. On peut s'arrêter manger au Buffalo sur l'autoroute. Un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Oli récupère son café juste là. Ah. Et nous voilà arrivés à l'hôtel Kyriade de 3 étoiles. Willow s'occupe de prendre la chambre. Arrivé au Kyriade, chambre 425. Quatrième étage, comme j'aime. Nous voilà arrivés. Petit tour du propriétaire. Attention, c'est très très petit. Alors voilà, la petite chambre du Kyriade. Alors c'est tout petit, mais c'est quand même très très mignon. Tout petit, tout mimi. Voilà. On est au quatrième étage. Il y a quand même une petite bouilloire. Ça, c'est très bien pour demain matin. Et une petite salle de bain. C'est très bien aussi pour demain matin. Et du coup, on va se détendre un petit peu, on va se changer, peut-être aller au restaurant de l'hôtel, suivre la cérémonie des As d'Or en direct là sur Internet. Et on se retrouve demain pour le Festival International des Jeux à Cannes. On y sera! Alors, petite vidéo bonus pour dire que je viens de terminer de voir la cérémonie des As d'Or en direct de la chambre d'hôtel. Et c'est Rezar Khanna qui a eu l'As d'Or Expert. Je suis très content parce que c'est mon jeu de l'année préféré en 2019. C'est le jeu auquel on a pu jouer, on a quasiment 30 parties à notre actif. Et le l'As d'Or jeu de l'année familiale, c'est Oriflamme d'Hachette. Hachette, leur premier jeu, déjà As d'Or. Hâte de le tester, celui-là, il était dans ma wishlist depuis à peu près un mois. On va le tester demain à Cannes et on vous donnera notre ressenti. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse les mias.